Coucou tout le monde, c'est Crime, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode du Lunar Zodiac Challenge. Donc vous vous souvenez, dans le dernier épisode, Ahari venait de passer adolescente, donc ça veut dire que c'est le début des choses sérieuses qui commencent, on va enfin pouvoir lui faire travailler sa compétence fitness. Et Gemini était passé enfant, donc là pour l'instant, pour Gemini, ma foi, il n'y a pas grand chose à faire, puisque... faut qu'elle maîtrise le charisme, donc on verra ça quand elle sera... on va commencer à bosser un petit peu ses relations sociales, mais ça va pas non plus être... on va pas pouvoir faire grand chose non plus. J'avais pas été voir la dernière fois, du coup, si Ahari avait commencé un petit peu avec... pas du tout, je pensais qu'elle allait commencer avec quelques points dans le fitness, mais j'ai rêvé. Donc j'avais de l'espoir, mais... Mais que dalle! Donc, bah écoute, ma petite chérie papote, hein, t'as ta sœur, en plus elle s'emmerde, alors voilà, et puis allez regarder la télé ensemble. Allez regarder un film, les sœurs maladroites, avec ta sœur, comme ça, ça fera bosser un petit peu. Et non, elle commence à zéro le fitness. Alors j'avoue que... Du coup, je sais pas trop pourquoi je m'enquiquine à... leur faire bosser leurs compétences quand ils sont enfants. Parce qu'a priori, ça sert à rien. Voilà. Puis Ahari, je sais pas quand est-ce qu'elle accouche. C'est la surprise. Mon avis, d'un instant à l'autre. On verra bien. Pour l'instant, on va finir le tableau. Ah non, elle a sommeil. Reprends-toi le classique. Et puis après, t'iras dormir. Et moi, je vais m'occuper des deux, là. Voilà, c'est bien. Alors qu'elles n'ont pas besoin que je m'occupe d'elles. Ouais, en fait, ça sert trop. J'en reviens pas comment elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Oui, elle est blanche. Oui, je sais. En ce moment, j'ai du mal avec les Sims qui sont blancs. Mais c'est du blanc mignon, quoi. C'est pas comme les générations leaders qui ressemblent à rien. D'ailleurs, ils étaient pas blancs, ils étaient gris. Hein, soyons clairs. Ils étaient gris. Du coup, ce serait bien de faire un petit screen des filles là, qui papotent. C'est trop mignon ça. Ça pourrait même faire la miniature. Peut-être. Ça va être dur à prendre. Non, ça va être trop dur à prendre en photo, tant pis. Allez hop. Et toi, tu fais quelle tête? Ah bah nickel. Ben voilà, ma photo, mon screen. Oh, c'est bio. Avec de la bouffe qui traîne, on sait pas pourquoi. Très bien. Alors, on va se faire un petit screen, l'air de rien. J'adore cette tête. Alors. Ah, c'était pas les bons boutons. Hop. Voilà, donc... Allez, on est parti. L'autre, elle court. Bah, vas-y, cours Forest, hein, de toute façon. C'est fini, déjà? Ah, tu te lasses vite, hein, ma parole. Hein. Oh, les mecs, bientôt, elle va passer sous la porte, quoi. Prendre une douche. Ok. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de les faire bosser enfant, en fait. Parce que, après, j'avais beau lui faire faire du sport, ça faisait pas du tout monter... ça faisait rien monter du tout. Allez au lit. Ah par contre, il va me manquer un lit là. Et ouais. Parce que j'ai une ado et deux enfants. Bon bah du coup ça, on va se le mettre là. Et puis... Ouais, ça fait toujours très dortoir hein, les chambres. Hein. Mais bon, tant que j'aurai pas assez de sous pour aménager celle-là... ça fera dortoir. Après, ouais, l'idéal, ce serait que je fasse une chambre enfant, une chambre ado, une chambre bambin là-bas, quoi. Comme ça...
Comme ça, chacun sa chambre, son univers et tout ça, quoi. Non, Démon, attends ton tour. Faut déjà qu'elle ait accouché. Et vous, vous en êtes tous les filles. Non, c'est pas toi. Toi, je m'en fous à la limite. Et puis illuminer la journée. Complimenter sincèrement. Parler des jouets. Vas-y, raconte ta vie. Va regarder les nuages, sinon. C'est bien, les nuages. C'est bien. Et toi, tu dors toujours très bien. Oh, et toutes tes barres sont vertes. Tu as juste envie de jouer. C'est très bien. Et elle, il lui arrive quoi? Elle a toujours pas d'amis. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, et elle a regardé un film ennuyeux. T'as personne à qui appeler? Je sais pas, moi. T'as pas un père? T'as, bah appelle ton père. Discuter. Faut bien qu'il sert à quelque chose. Bordel. Allez, vas-y, pose. Tu vas même l'appeler plusieurs fois, tiens. Hop, 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 hop. Hop. Et hop. Avec ça, ça va te remonter ta barre, tu vas voir. Trop de bonheur. Hop. Donc ensuite, bon bah elle dort. Démon, il attend son tour. Bon bah, y a pas grand chose à faire. Hein. Tu peux peut-être aller dépasser tes limites après, bordel. Non? Voilà, repousse tes limites. Tu peux le faire. Ilargia, elle, ouf, voilà, elle est au bout de sa vie. Utiliser, prendre des restes. Et. Est-ce qu'il y a des choses à récolter? Pas vraiment. Ah, par contre, il faut pulvériser. Y a rien à arroser? Non, là-bas c'est bien arrosé aussi. Non. Ok, juste pulvériser. Pour éviter qu'elle meure, celle-là. Et reprendre. Et Harry. Oh, c'est nickel. Ah, il est au travail, c'est ça, j'ai pas eu le temps de lire. Ah non. Allez, ça y est, elle a eu son père, du coup ça va mieux. Et si elle repousse un peu ses limites, elle devrait reprendre aussi du divertissement. Faut aussi que quelqu'un aille prendre le courrier. J'ai vu qu'on avait du courrier. Voilà. On vous en est où, vous? Hop. Pourquoi tu peux pas? Oh putain, ils ont cassé les chiottes. Bon, tu sais quoi? Hop, on va investir. Il est l'heure de, d'investir dans la deuxième salle de bain. Il n'y a plus beaucoup de sous quand même. Ils sont passés où les sous là? Il y en avait plein, non? Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Bah le tapis, mais il en restait, non? Ah, c'est trop cher, c'est ça? Ah ouais, c'est trop cher. Je voulais acheter un deuxième, mais non. Faut que quelqu'un absolument aille réparer les toilettes. Réparer. Bah écoute, tu vas attendre. Je pisse-toi dessus, si je te dise. Va dormir, toi. Allez, vas-y. Va réparer les toilettes, là, qu'elle puisse... Ouais, deux en fitness. Plus que 8 niveaux. Wouhou. On va y arriver, on va y arriver. Allez, dépêche-toi d'aller réparer les toilettes.
Je pensais qu'il restait plus d'argent que ça. Je sais pas ce que j'ai. Ah bah oui, j'ai acheté un lit. La blondasse. Écoute, tu peux déjà te rapprocher, non? Comme ça, tu vas gagner quelques minutes. Allez, on se dépêche. Voilà. Allez. Allez, utiliser. Dépêche-toi, dépêche-toi. Utiliser. Donc, tu veux pas aller faire un selfie ailleurs, toi? Ah, toi aussi, t'as envie d'aller aux toilettes. Bon, tu te feras pipi dessus, au pire. Enfin, j'en reviens pas. Elle a réussi à atteindre les toilettes sans se faire dessus, quoi. Eh ben, dis donc. Comme quoi, tout est possible. Pourquoi elle est mal à l'aise? Ah merde, elle s'est fait piquer par je sais pas quoi. Bon bah ça lui passera, hein. Ça lui passera. Elle est finie ta toile, on a besoin de sous. Parce que je t'avoue, là, avec 5 Sims à la maison, il faudrait quand même faire une deuxième salle de bain, quoi. Donc si on pouvait au moins mettre des toilettes et une douche, je pense que ça arrangerait tout le monde. Ouf, puis là il y a peut-être des choses à vendre aussi. Oui! Voilà. Je suis une bonne mère, je vends les jouets de mes enfants. Hop, et on va pouvoir mettre une porte et... Voilà, ensuite... Oups. Donc on a dit des toilettes. Ah, ou alors attendez, on va faire différemment. Si je mets plutôt ça par ici, ça ici, ça. Je vois pas bien dans l'ordre si je suis bien dans le bon. Si, voilà, dans le bon sens. Ensuite, on a dit une douche. On va prendre la moins chère hein, pour l'instant. Et pour finir, notre bonne vieille lampe. Voilà. On a donc une deuxième salle de bain. C'est magnifique. Du coup, on va être plus à l'aise. Ah, puis il reste pas mal d'argent, donc la prochaine étape, ça va être de faire une chambre pour les ados. Et du coup, je sais pas où on foutra l'appareil de sport, hein, on verra après. Du coup, bah va dormir, hein, si t'es fatigué. Toi, tout va bien, magnifique. Toi, t'es parti au lit, mais t'as envie de pisser, donc ma foi. Profites-en, j'ai installé ce qu'il faut où il faut. Et toi, bah toi, t'as envie d'aller aux toilettes aussi. Écoute, ta sœur va t'apprendre à aller aux toilettes, comme ça sera pas mal. Dès qu'elle aura fini son entraînement de sport, bien sûr. Ah, elle est en train de se faire dans la couche, c'est dommage. Mais apprends-lui quand même comme ça. Et donc sinon il larguait à la couche jamais. Je ne sais pas. Tu veux pas lui apprendre le pot? Comme ça elle pourra y aller seule. Allez. Ce serait bien. Et après on va lui sortir à manger à cet enfant. Allez, mange tes pancakes. Et toi, bah toi aussi t'as la dalle. Alors prends des restes. Toilette. Et t'as pas des devoirs à faire? Pff,
Remarque, c'est dimanche, on verra ça demain. Et dormir. Allez, go. Qu'est-ce qui lui arrive, elle? Juste envie de faire pipi, très bien. Les plantes, il n'y a rien à ramasser là. Oula, je suis allée beaucoup trop loin. Non, rien à ramasser, rien à ramasser. Non, il n'y a pas moyen de se faire de l'argent. Donc, on va plutôt faire une toile. Grande toile classique. Ok. Hop, chercher des pièces. Et après, on fera du ménage. Elle va où, elle? Ah, oh, t'as fait un cauchemar. Ah, il faut vrai. Alors, on m'a dit, dans mon live précédent, que c'était pas forcément les bonnes lampes. Et qu'il fallait acheter des veilleuses. Alors, on va aller acheter des veilleuses. Veilleuse. Hop. Ah, je peux en acheter qu'une par contre. Putain la vache. T'en as mis les deux, hein. On verra bien ce que ça donne. Pourquoi elle est mal à l'aise? Parce qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Ok. Et qu'elle a donné des mauvais conseils pour le pot. Et il y a toujours un truc qui la gratte. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle a des puces. Bizarre. Bon. Ok, toi, t'as pas sommeil à un moment donné? Si. Hop, dormir. Et toi, tu es triste, très bien. Il y en a pas un qui veut ramasser les assiettes par hasard? Non? Non, bah non. Toi, éventuellement, avant d'aller au lit. Hop, nettoyer. Et après, t'iras au lit. Faut absolument que je mette du papier peint sur ces murs, on est d'accord. Mais je sens que si Morgane regarde cette vidéo, je vais me faire taper sur les doigts. Mais bon, c'est pas de ma faute, il faut toujours acheter des trucs dans cette baraque. Donc, bon, voilà quoi. J'en suis pas rien, moi. De toute façon, les maisons, c'est toujours en travaux, même IRL. C'est jamais fini, on est toujours en train de réparer, d'améliorer, de... Enfin, bref. C'est toujours en travaux, une maison, c'est bien connu. Par contre, moi, je crois que, en fait, c'est... Ilaria, c'est devenu un éléphant. Elle a une gestation de 1 an et demi. Parce que... Ouh, un chef-d'œuvre. Et tu vas où, là? Ah, mais chercher des pièces, très bien, pardon. Ouh, 2300 simflouz. Hop, jeter. Ah, bah voilà, le travail a commencé. C'est quand même magnifique. Oui, je veux vendre un chef-d'œuvre. Il faudra aussi qu'à l'occasion, je pense à acheter un élixir de jeunesse que je lui donnerai quand elle sera à la fin de sa barre. Parce que sinon, bien sûr, on n'y arrivera pas. Voilà, elle a faim. Est-ce qu'il reste à manger? Prendre un repas, prendre des restes, on fera à manger après. Moi j'ai hâte que Toréane grandisse parce que comme elle son but c'est de maîtriser la cuisine, elle va faire que de la bouffe tout le temps. C'est elle qui va être obligée de faire à bouffer toute la journée, hein, je vous le dis, donc le frigo va être bien plein. Et toi, qu'est-ce que tu fais debout? Bon, bah, tu joues très bien. Du coup, bon, on attend que la petite lionne naisse. En espérant que ce soit une lionne et pas un lion. Parce que sinon, bien sûr, on a perdu 3 jours. Allez. Et toi, tu dors pas parce que t'as plus sommeil. Mais il est 2h du matin, donc tu vas te forcer. On va rester un peu sur Ilaria. Bah écoute, va dormir un petit peu éventuellement en attendant que...
que vraiment tu accouches, parce que bien sûr j'ai vendu les berceaux, pensez bien, que je m'amuse pas à garder des berceaux, j'ai besoin de sous. Bon, allez, arrête de dormir. Utiliser. Et toi, il va dormir. Les bambins, ça doit dormir la nuit, merde. Quand même. Allez. Toujours pas, elle accouche pas. Non, bah non, elle veut pas. Je sais pas. Ah, 7 minutes. Elle va donc accoucher dans sa salle de bain. Allez, 0 minute. Hein. Ah, ça y est, avoir un bébé. Alors. Suspense. Est-ce que c'est une fille? Quand tu veux, hein. C'est une fille. Du coup, il va nous falloir un prénom en rapport avec son signe astrologique, dont Lion. Ça se dit Léo en anglais, donc ça va être Léo. Allez, Léo. Léon. Hop, c'est donc une petite Léone. C'est une deuxième fille. Oui. Donc c'est une deuxième fille. C'est donc la petite Vierge qui arrive. Virginie. Eh ben c'est nickel. Merci Gauvin. Dis donc, deux en un. C'est beau. Eh ben, ça va pleurer dans tous les sens, hein. Wouhou. C'est magnifique. Nous avons donc deux petites filles qui commencent déjà à pleurer. C'est beau. Vous savez à quel point j'adore ça. Et je sais que vous aussi, vous aimez beaucoup ça quand ça pleure dans tous les sens. Donc je vais essayer de de m'arranger. Elle est où, Virginia? On va déplacer tout de suite le berceau avant qu'elle réveille qui que ce soit. On va la faire dormir là. Hein. De toute façon, on va la laisser dans le salon. Hein. Ouais, on va essayer de s'arranger aussi avec, avec Harry qui est ado pour qu'elle s'en occupe un petit peu. Aïe, 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 ça commence à repleurer. Allez, c'est reparti. Babiller, verser. Allez, vas-y, accélère. Allez. Bon, c'est bon, celui-là, tu t'en es assez occupé. Va voir l'autre. Je t'ai dit, tu t'en es assez occupé. Il pleure pas, celui-là. Va voir celui qui hurle à la mort. Voilà, t'es bien. Bon, bah, Gauvin a bien fait son boulot. Il faudra que je pense à féliciter Fanfani parce que... bah, parce que du coup, des jumelles. C'est magnifique. je vais m'éclater. Par qui on gagne du temps. Mais du coup, il va falloir faire attention. Bah, de toute façon, je peux en avoir qu'un après. Je vais faire, je pense, une fois que... Que Léonie... C'est Léon ou Léonie, d'ailleurs? J'ai foutu. Léon. Une fois que Léon et Virginia seront bambins, j'irai faire un dernier enfant avec bah avec Damon là, qui est dans ma liste dans ma liste d'attente a priori. Et puis après j'arrêterai tant que de toute façon on sera 8 hein, donc je pourrais pas en faire plus. Et en plus même quand les premières seront parties, il faut que j'attende que Mademoiselle Canceria nous fasse un mariage et deux enfants, quoi. Hop, tout vendre. Allez, c'est parti. Tout vendre et après... Ah, il faut pulvériser aussi. Pulvériser. Et puis voilà. Allez, go. Voilà, on va essayer de s'occuper de ces bambins. Puis alors là, malheureusement, comme on n'est pas dans un Génération Leader... Ils vont pas devenir bambins tout de suite. Donc on va les entendre pleurer. Ah, ça y est, ça recommence. Viens m'aider, toi. Viens m'aider. Arrête de dormir. De toute façon, t'as assez dormi.
Hop, changer la couche sale. Et hop, changer la couche sale. Voilà, ça pleure plus, c'est magnifique. Bercer, dodeliner, parler, babiller, bercer, dodeliner, hop, manger, se doucher, prendre une douche et allez, on se dépêche. Et entraînement. À vous les filles. Utiliser, prendre une douche, manger. Et regarder un film avec le retour du chien perdu, je sais pas, avec Gemini. Et Gemini, en attendant, elle a juste faim. Voilà. Hilargia, elle peut aller dormir. Elle vient d'avoir des jumeaux. C'est la moindre des choses de la laisser dormir après avoir mis au monde des jumeaux. Voilà, voilà. Oh, deux bébés qui dorment et qui ne pleurent pas. Enfin, qui dorment pas, mais qui pleurent pas, c'est l'essentiel. Toi, je t'ai dit d'aller prendre des restes et de regarder un film avec ta sœur. Allez. Et qu'est-ce qu'elles ont à tous poser les assiettes à côté de la télé, là? Je comprends pas, moi. C'est... L'évier, il est pas loin, bordel. C'est le calme. Personne ne pleure. Alléluia. Elle est très, très, très tendue. Mais le sport, c'est censé la détendre, bordel. Puisqu'elle est active. Normalement... Normalement, elle devrait pouvoir se détendre en faisant du sport. Allez, bah voilà, ça monte, mais doucement. Hein. Tranquillou, hein. T'as le temps de mourir. Hein. Hop, ici, ça va mieux. Ici, hop, ça a besoin d'aller aux toilettes. Et là, ça a besoin de manger et d'être lavé. Mais personne n'est vraiment dispo. Ah putain, ça y est, ça recommence à pleurer. Allez, hop, c'est fini de dormir. Terminé. Nourrir. Allaiter. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, là, avant qu'on meure, nous aussi. Bercer, dodeliner. Parler. De toutes les façons, celui-là, il va se mettre à pleurer dans la foulée, donc on y va. Bercer. Dodeliner. Voilà. Et elle s'ennuie encore, hein. Ça suffit pas le sport, en fait. Elle en fait pas assez. C'est ça. C'est ça. Allez, go. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu payes ta crise? Pourquoi t'es en colère? Parents indésirables. Ah, visiblement, elle veut pas de ses frères et sœurs, celle-là. Bah, t'es pas rendue ma grande, hein, parce qu'elle va en avoir 12, ta mère. Hein. Peut-être même plus, parce que pour l'instant, on a du bol. On a fait un seul garçon sur toute la série, donc on a quand même du bol. Mais voilà, je savais que l'autre allait se mettre à pleurer. Et c'est bon, celui-là, il va bien. C'est bien, c'est qu'ils sont un peu décalés, quand même. Donc on peut quand même être à peu près peinard pendant quelques minutes. Voilà. Et toi, ma chérie, tu t'ennuies. Bah regarde la télé avec ta sœur. Vas-y, cœur à prendre. Je sais pas ce que c'est, ça va vous faire plaisir. Et toi, tu piques une crise, tu as faim, tu as faim. Je t'ai pas déjà dit de donner à manger il y a 10 secondes là. Ça suffisait pas peut-être. Ah, clic. Voilà, faut vraiment que quelqu'un fasse à manger. C'est quand ton anniversaire, Toréane?
Ah, c'est mardi. Non, pas du tout. Mardi, c'est les jumelles. Mais c'est quand son anniversaire à Toréal, là? Ah putain, c'est dans une semaine. Ah, c'est long. Non, bah non, il va falloir faire à manger. On va pas pouvoir attendre qu'elles grandissent. Mais c'est hyper long. J'ai attendu vachement longtemps entre deux pour faire les enfants, dis donc. Ah ouais, putain, elles ont 7 jours. Ah, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai attendu si longtemps entre deux gosses? C'est étrange. Un niveau 3 de la compétence. Très bien. Continue. Continue. Bon, bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on va arrêter là parce que de toute façon, c'est l'heure de. Enfin, c'est la fin de l'épisode. Dans le prochain, bah, on continuera à faire monter les compétences d'Harry, de s'occuper un peu des filles. Et on verra très certainement grandir les jumelles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour la suite du challenge ou sur ma chaîne Twitch pour des prochains lives. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde!